Yo tout le monde, c'est Joe Avenger et aujourd'hui. Non, on est sur la chaîne Joe Avenger là. Et aujourd'hui, on va discuter Fortnite. Alors. Tout d'abord, on va commencer avec quelque chose. Là, tout d'abord, on va commencer avec quelque chose de super. Les retours. Ou peut-être. Alors, premier retour. Les gros robots là. Oh. Il y a la brute qui arrive. Enfin, qui va revenir. Putain, les gars. La brute, les gars. Vous vous souvenez? C'est le gros robot où il y a. Où il y a deux. Deux sièges. Un siège pour avancer et un autre siège pour tirer. Et bon, on peut faire les deux. En solo, on peut faire les deux. Donc voilà. Bah, on peut marcher, sauter là. Et si on veut, on peut changer de place. Comme dans les voitures, vous voyez. Et c'est beaucoup mieux en duo. En duo, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a un qui marche et un qui tire. C'est beaucoup mieux, les gars. Là, il n'est pas encore de retour. C'est un truc. On doit payer avec. Enfin, pas payer avec de la vraie argent. Hein. Payer avec nos trucs d'or, là. Notre or qu'on gagne. Donc, voilà. J'espère. Bon. Pour moi, j'ai jamais. Au grand jamais utiliser ça en saison X, ni hors vidéo ni en vidéo, jamais. Je crois que j'ai utilisé une fois, mais en fort d'empoigne. Bon, c'était nul parce que c'était pas sur une map. Fortnite, c'était sur une map vide comme ça. Bon, il y avait mon pote Hamza que je pouvais tuer, mais je veux dire, voilà quoi, il n'y avait rien de d'étonnant. Bah voilà, bref. Y a quoi d'autre qui seront de retour? Bon, il y a des trucs de Naruto, mais ça, on va pas parler. Alors, il y a les chariots de supermarché. Ils sont de retour, les gars. Ok? Ils sont de retour. C'est quoi ça, les gars? Eh, hey, Fortnite, c'est quoi? Le chariot, frère. En chapitre 1, saison 1, ils étaient là. C'était les tout premiers véhicules. Vous vous rendez compte? Non, vous ne vous rendez pas compte? Bah dommage. Bah les gars, c'est. Je sais pas moi, je sais pas comment dire ça. Sérieux les gars. C'est trop bien vos.
Fortnite, c'est bien votre truc, vous faites des retours. Surtout les, vous voyez les, quand on choisit les armes avec les, avec l'or, bah ils vont venir. Par exemple, alors, il y a la faille qui a perdu, la mitraillette de combat et la boule disto là. Mais ça, c'est trop bien, les gars. Franchement. Mais il y a un truc que vraiment ça me fait chier. Vous savez, c'est quoi? C'est que, vu que il y a déjà le cramponneur, il y aura en plus la faille et en plus le truc pour faire danser les gens. Je vais pas savoir quel prendre. Non. Je sais pas, je vais pas savoir quel prendre. C'est comme en... Je sais pas moi. Hier, j'ai joué en sol en lave. Il y a tout ça. Je savais pas quoi prendre. Mais bon, là, je sais maintenant qu'est-ce que je peux faire. Avec avec les trucs, prendre deux armes et ouais, prendre deux armes. Bon, ce qui est mieux, c'est une mitraillette ou une SCAR et un sniper ou un bazooka. Je prendrais grappin ou ballon ou alors planeur. En quatrième, il y aura. Ah, il y a faille aussi, peut-être, que je prendrais. Et dans le quatrième, il y a. Le jetpack que je prends, Dre. Et je crois que c'est tout, en fait. Je crois que c'est tout. Et le dernier, c'est des popos, hein. Voilà, des potions. En antiquité, ça c'est le pire parce qu'il y a les grosses popos. Bon, non, les grosses popos, c'est bon, je peux prendre les grosses popos là, les boire. Ça c'est bien, mais voilà quoi. Antiquité. Mais c'est vraiment bien antiquité en fait. Parce que là, il y a vraiment toutes les armes. En plus, je sais pas, hein, mais il se peut que en antiquité, il y a les armes de la saison 6 et 7 qui sont de retour. Enfin, qui sont dans Antiquité. Antiquité, je crois que c'est toutes les anciennes armes. Parce que dans Antiquité, à la saison 6, il y avait les armes de la saison 5. Donc le pompe. Je sais plus c'était quoi le pompe. Le nom du pompe, mais il y avait le pompe, comme ça, où on peut. Où, je sais pas. Et il y a l'autre pompe aussi. Mais voilà. Oh. Voilà quoi.
Donc, je verrai les caddies, si ça va revenir, enfin, si ça va être arrivé. Je vais jouer aujourd'hui, donc. Nous avons parlé du chat, de ce qui va arriver. Ah, il y aura un autre choix. Toi, vous voyez le petit pistolet où on pouvait. Où quand on tirait par terre, on sautait haut. Bon, on pouvait se blesser, mais voilà. Et le lance-grenade. Ça, c'est super, les gars. Moi, je choisis le lance-grenade direct parce que j'aime pas quand je tire avec le petit pistolet et puis boum, je retourne en arrière. Ça, c'est le plus chiant avec cette arme. C'est pour ça que que je la choisis pas, donc. Bah voilà. On est à la moitié. Enfin, on est au moment de la vidéo où je vais vous montrer les bandes annonces de la saison 7 et 8. Et les bandes annonces du pass du combat 7 et 8. Ok? Et directement, on va partir. Et directement après ça, on va parler du chapitre 3. Go! D'une guerre contre un ennemi que nous ne comprenons pas. Nous nous retrouvons dos au mur. Nos rangs pourraient être infiltrés. Mais nous avons une chose qu'ils n'ont pas. Une raison de nous battre. Que vous soyez ici depuis toujours. Que vous veniez d'une étoile lointaine. Cette île est la nôtre. Et s'ils veulent la guerre, alors ils l'auront. Thank you.
sauver votre petite réalité. Vous nous l'avez servi sur un plateau. Allez-y, rassemblez ce qu'il reste de votre armée. Préparez vos défenses. Et lorsque nous en aurons terminé, il ne restera que le néant. Ok. Attendez. Là, c'est bon. Passons vite fait au vide, au temps qui nous reste. Il nous reste, on va dire, quasi une semaine comme ça, deux semaines. Enfin, deux semaines et demie comme ça, ok? Il nous reste deux semaines et demie avant le chapitre 3. Vous comprenez? Deux semaines. Deux semaines. Je sais pas. Normalement, enfin, ils ont pas fait à la saison 6, mais à la saison 7. Là, à la saison 7, je sais plus si vous vous souvenez, ils ont fait en sorte que pendant une semaine, par exemple, il y a des trucs pour aller dans les airs, la faille et je crois un piège là, le piège pour aller dans les airs, le piège bleu là, vous voyez, et les tremplins. Bon, ça il y avait déjà en saison 7. Et ils ont fait aussi une semaine avec ils ont fait une seule semaine avec les armes de la saison 7. Seulement les armes de la saison 7 dans tous les coffres. Enfin, pas seulement, mais en fait, c'était on jouait à regardez. Quand on ouvrait une je viens d'avoir une nouvelle notification de YouTube. Alors, quand je recevais une nouvelle, comment on peut dire, quand on ouvrait un coffre, on avait tout le temps, on avait, enfin pas tout le temps, mais des fois, on avait une allez enfin à chaque fois qu'on ouvrait un coffre, il y avait des armes normales et en même temps il y avait toutes les armes du... Toutes les armes des aliens. Et là, déjà, en fait, je crois que c'est possible pour demain, pour qu'ils mettent à partir de demain. Ça qui commence à partir de demain, ça, enfin, vous savez que si ils mettent pas ça demain, il va rester à partir de lundi, il restera deux semaines pour faire ça, donc pour ajouter les failles, mitraillettes, trucs de, enfin voilà quoi.
les gros robots et le chariot. Plus la pyramide à construire. Et plus un truc qu'ils sont en train de construire près de Pleasant Park. En 2 semaines, normalement, ils pourront faire ça, hein, la pyramide et le truc. Et le petit truc là de. Ok? Normalement, en 2 semaines, ils pourront faire ça. Mais, allez, là, il reste 2 semaines. Bon. L'autre jour, bon. Pour la saison 7, quand il faisait semaine de voltige ou semaine de alien, et ben c'était tous les jeudis. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont le faire la même chose. Parce que regardez, si ils mettent par exemple hein, de s'ils commencent à partir de demain ça. S'ils font à partir de demain ça, par exemple, je sais pas moi, par exemple, semaine en Seine-Arme, par exemple, avec le pompe tactique ou le bazooka qui revient ou le sniper. Bon, je disais, par exemple, demain, ils peuvent faire semaine de. Pas voltige, mais ancien ou je sais pas quoi là. Comme ça, ils mettent les pompes tactiques, les roquettes et trucs. Donc voilà, comme je disais, demain, ils pourront faire ça. Peut-être on est le combien? On est en novembre. Enfin, on est le 18 demain. Peut-être le 25, ils pourront faire, je sais pas moi. Bon, le 25, ce serait peut-être la dernière semaine où ils feront ça. Donc, parce que le 2, ils pourront pas faire ça. Parce que, voilà, il restera 3 jours pour jouer. Donc c'est impossible. Donc le 25, le 18 ça peut être ce que je viens de dire. Et le 25 ça peut être les armes... Allez. Enfin les armes du chapitre 8 dans tous les coffres. Vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà. Ah, c'est chiant. Je voulais vous parler du chapitre 3 aussi, mais là, il me reste 4 minutes de vidéo. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Je crois que je vais faire ma vidéo Spider-Man. Et puis, faire. Et puis, demain, je ferai une nouvelle vidéo où je vous parle, mais du chapitre 3 cette fois. Ok? Parce que là. Putain, j'ai parlé seulement du chapitre 2, c'est chiant. Parce que comme vous savez, il y aura le chapitre 3. Bon, vu qu'il y avait une nouvelle vidéo de Thomas, un youtubeur français. Enfin, un youtubeur qui fait des vidéos sur Fortnite. Enfin, Fortnite. Un peu comme Nanas, quoi. Et ben, il y a la ma... Il y a la map du chapitre 3 dévoilée par Fortnite. Teaser. Donc voilà. Hein. C'est pas impossible. Bah c'est tout. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bah voilà. Spider-Man, il va arriver. Enfin, je parlais de moi, mais je voulais dire Spider-Man. Spider-Man va bientôt arriver.
Là, il est sûrement quelque part. Pendant que je regarderai la vidéo, je l'attendrai, hein. Ok, les gars. Et voilà. Ok. On se dit à demain pour la vidéo. Je vous parle du chapitre 3. Parce que là, enfin, je vous parle 9 du chapitre 3, parce qu'aujourd'hui ce serait je vous parle 8. Et voilà. On se dit à demain. Et peut-être à tantôt pour une toute petite vidéo où je vous montre les deux trailers de Spider-Man. Et je crois que c'est tout, hein. Ok? Allez, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Enfin, à tout à l'heure. Ciao tout le monde. Peace!